Il faudra attendre encore quelques mois avant de pouvoir traverser le pont couvert de Saint-Dominique-du-Rosaire. Alors que la fin des travaux était prévue il y a 2 semaines, quelques ajustements doivent encore être faits selon le ministère des Transports du Québec. Le sol est très argileux. Pour rehausser les approches, il va falloir renforcer le sol parce que sans ça, ça ne supportera pas l'ajout de matériel là, pour permettre le rehaussement des approches. La configuration du pont couvert Alphonse Normandin a aussi dû être repensée en raison des changements climatiques. Par principe de précaution, le ministère a pris une décision, c'est-à-dire de rehausser le pont suite à l'observation de crues exceptionnelles qu'il y avait eu dans le secteur. Alors, pour s'assurer que le pont pouvait assumer ses fonctions correctement là, dans le temps, considérant les changements climatiques qui pouvaient être propices à d'autres événements de ce genre-là. Afin de conserver sa nature patrimoniale datant des années 50, seules quelques modifications esthétiques ont été réalisées pour solidifier la structure. Les poutres de bois d'origine qui sont demeurées en bon état ont d'ailleurs été restaurées. C'est un projet qui était d'abord évalué à 6,6 millions, mais d'après le ministère des Transports, il y aura des dépassements de coûts en raison des modifications qui n'étaient pas prévues à l'échéancier. C'est donc à la fin de la période de dégel que les travaux du pont couvert vont reprendre et devraient se poursuivre jusqu'à la fin de l'été. Entre-temps, le chemin de déviation demeure accessible pour les citoyens qui souhaitent traverser. Kémilia Laliberté, RNC Nouvelles, à Saint-Dominique-du-Rosaire.